Hey yo les gars, c'est Trax, on est là pour une vidéo, voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, 2-3 jours, et du coup, voilà, je reviens un peu en force les gars, bon, en même temps avec le boulot, etc, vous savez que, voilà, je peux pas faire des vidéos H24, même si j'aimerais bien, hein, mais je peux pas. Alors cette vidéo, elle va comprendre que je récupère la carte de Jiménez les gars. Alors tout d'abord, un grand cimer à mon pote, Covid Furax. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est lui qui a fait les défis. Voilà, donc je lui dédie cette vidéo, les gars. Il a fait tous les défis pour la carte, parce qu'avec le boulot, quand je rentre chez moi, etc., que j'allume la console, il est au moins 22h, 23h, voire 23h30. Alors du coup, si j'avais voulu faire la carte, voilà, j'aurais été trop crevé, les gars. Je l'aurais fait sans goût, ça m'aurait écœuré. Et du coup, là, je récupère la carte gratos, sans effort, les gars, grâce à Covid Furax. Et du coup, merci encore, gros. Alors, au niveau de la carte, les gars, 85-95. Au niveau de l'accélération et de la vitesse, 91 de général. Ce qui est intéressant, c'est son agilité, c'est sa force, agressivité, endurance, précision de tête. Après, à ce qui paraît, les gars, à ce qui paraît, il est nul. Voilà, à ce qui paraît, il est nul à chier. Il est pourri, inexistant. Moi j'avais essayé Thuram, j'ai joué avec et sincèrement pourri, nul à chier, inexistant. Alors du coup je sais pas pour Jiménez les gars. Jiménez en plus il a flair. Donc ça voudrait dire qu'il prend des espaces incohérents et ça marcherait. Donc dites moi les gars dans les commentaires si vous l'avez fait, si vous avez joué avec et si vous avez kiffé les mecs. Pour rappel les gars, les défis nés au Mexique. Adresser une passe D en profondeur dans deux matchs clash équipe les gars niveau champion. Donc celui-là je l'avais commencé. Le grand saut vers la Liga, marqué avec des attaquants de Liga dans 3 matchs rivales différents. Œil d'Aigle, marqué un but en finesse dans 5 matchs rivales distincts avec des joueurs Liganos. Et le plus chiant, les gars, marqué et adressé une passe D dans 8 victoires séparées avec des joueurs de première ligue ayant au moins 4 étoiles de mauvais pied, les gars. Pourquoi c'est le plus dur, c'est le plus chiant? Et bien tout simplement parce que moi j'ai pas de joueur de première ligue les gars. Et c'est pour ça que c'est le plus chiant. Et ensuite bah, récupérer la carte. Voici l'équipe les gars, made in BPL. Bon, en même temps c'est une BPL hybride avec Moore, Trezeguet, Jacobson, Leonardo qui ne sont pas de la BPL les gars. Mais pour le reste, voilà, ça fait partie de la BPL. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était une toute petite vidéo les gars. C'était même pas une vidéo review ou quoi. C'était juste pour vous dire que j'ai récupéré la carte de Jiménez. Et si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, etc. Moi, je vais faire 2-3 matchs avec lui. Si jamais il est mauvais, les gars, il va partir dans un SBC DCE. S'il est bon, les gars, il va rester titulaire. Mais bon, comme j'ai plus d'attaquants en première ligue, les gars, je pense qu'il va rester titulaire pendant un bon moment. En attendant, voilà, que je chope un autre milieu gauche et un milieu BPL, les gars, si possible. Les gars, c'était Trax. On se retrouve pour la prochaine. Peace!